Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est... attendez, parce que je suis sur il pleut qui m'énerve. Il est 9h40, je vais mettre mes mails, ça sera plus clair. Voilà. J'en profite pour ouvrir le vlog tant que les chiens mangent parce qu'ils sont déchaînés. Le matin, c'est toujours... le moment de déchaînement et ils jouent, ils foutent le bordel. Parce que Riley ne sait pas jouer sans aboyer. Donc, pour mon petit week-end, vendredi, migraine plus. Samedi, toute la journée aussi, d'ailleurs. On a été faire 2-3 courses avec chéri quand il est rentré le soir et on est passé chez Action. Je n'ai pas acheté grand-chose, donc je ne vais pas vous faire un haul. Je vais juste vous montrer, là, j'ai acheté 2-3 trucs intéressants. Enfin, deux, oui, c'était 2 trucs intéressants. Le reste c'était de la bouffe, voilà, des trucs comme ça. Samedi matin, on a été en fait, comme j'ai acheté Riley, il faut à partir de, je crois que c'est octobre de l'année dernière, un papier de la commune comme quoi vous êtes apte à avoir un nouvel animal de compagnie. Donc c'est pour les nouveaux, mais c'est valable même pour un poisson rouge. Donc ça, vous devez aller chercher le papier de la commune pour la Belgique, la France, je sais pas. Alors, c'est pas plus mal, hein, parce que au moins, comme ça, on sait que les animaux ne vont pas atterrir chez des gens qui ont fait l'objet d'une sanction suite à des mauvais traitements sur animaux et tout ça. Voilà, maintenant, pour un poisson rouge, bon, après. Donc, l'éleveur, comme j'étais pas au courant, m'a laissé prendre Riley parce que je venais pas de tout près, mais je dois lui renvoyer le papier par mail. Donc, on a été à la commune le samedi matin. Elle est ouverte normalement de 9 à 11. J'ai vérifié sur le site de la commune juste avant de partir. Donc, commune égale mairie pour les Français. Juste avant de... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'admire dans le miroir. Juste avant d'y aller. Mais voilà que depuis début janvier, ils ont un nouveau changement d'horaire qui n'est pas noté sur le site. Non, depuis même avant déjà. C'est ouvert plus qu'un samedi sur deux. Et forcément, c'était pas le bon samedi. Donc, on y était pour rien. Du coup, on a été acheter des croquettes puppy pour Miss Riley, puisque l'éleveur m'a bien dit de continuer jusqu'au moins 6 mois, 5-6 mois, les croquettes puppy. Sauf que, comme je les mélange aux croquettes de Ryan, je voulais des 100 grains pour puppy. Mais c'est très difficile à trouver. On en a trouvé donc chez Tom & Co. Riley, si tu dois faire caca, c'est dehors. Ah ben non, il fait pipi. C'est dehors aussi, mais il n'a pas compris. Ryan veut rentrer. Ils me font chier. Je disais donc, on a enfin trouvé des croquettes puppy sans grains, hein, puisque Ryan ne supporte pas les grains dans les croquettes. C'est à cause de ça qu'il fait des crises. Là que... elle en a mangé 2 poignées et elle s'est tapée une chasse carabinée. Donc on va finir le sac de puppy et après elle mangera les croquettes de Ryan. Sauf que bon, elle a un peu de sang dans les selles suite au changement d'alimentation, hein, ce qui est... normalement normal au changement d'alimentation chez le chiot. Mais pour limiter ça, justement, je m'étais dit je vais acheter des puppies. Mais ça lui a donné une de ses chiasses. My God. Et ça y est, recommence. Ensuite, l'après-midi, ben, j'ai fait une sieste et j'ai fait beaucoup de bricolage avec de la laine. Il y en a un que j'ai fait pour moi, mais les autres, c'est principalement pour Manon, pour mettre dans le swap pour quand elle fait ses jolies photos Insta. Je vais vous montrer celui que j'ai fait pour moi. Et le dimanche, j'ai tourné... c'est quoi que j'ai tourné hier? Je suis en train de faire la série des films, là. Aujourd'hui, ce matin, j'ai tourné Matrix, déjà. Je me suis démaquillée pour pas vous spoil. Et je pensais recevoir ma commande du Tibet aussi avec mes palettes que j'aurais pu enchaîner avec le swatch and make-up. Mais la poste, ça n'a pas l'air de bouger. C'est quoi que j'ai tourné hier? Catwoman, voilà. Donc pour vous, c'est la semaine prochaine, hein, ces vidéos-là. Si je ne dis pas de bêtises, vous allez voir le vlog là. Ouais, ça commence donc lundi pour vous, donc demain pour vous. Et j'ai fait le montage et ensuite j'ai fait ma colo. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup j'ai refait une Manic Panic et j'ai fait le Enchanted Forest, je crois. Donc c'est un plus bleu pétrole, un peu canard comme ça. Pour essayer de bien cacher les reflets roux qui me restaient, et ça a l'air de bien rendre. Et les Manic Panic tiennent d'enfer sur mes cheveux, donc j'aime bien en faire une de temps en temps pour bien repigmenter.
Et j'ai refait ma colonne noire bleutée en racine que j'ai descendue un peu plus bas pour vraiment bien cacher ces reflets un peu roux sur certaines mèches. Et voilà pour mon petit week-end. Ce matin, j'ai tourné donc un des make-up, le Matrix. Je suis bien contente du rendu. Et voilà, tout simplement. Donc, j'aurai à vous montrer mon petit bricolage. Et mon micro haut l'action. Ryan. Ryan. Je vais attendre qu'il se taise. Hein. Il n'est pas prêt d'arriver. Donc, mes petits bricolages. Au départ, j'étais partie pour faire un lopin et j'ai fait une chouette. Voilà. C'est, ça m'a dit que c'était un pingouin, mais non, c'est une chouette. On voit bien aux yeux que c'est une chouette quand même. Bon, après, ça fait office un peu des deux. Mais je la trouve trop kiki, donc je me la suis gardée pour moi. J'en ai fait une pour Manon aussi, hein, mais je me la suis gardée pour moi. Je la trouve trop chouette. Je vais la mettre dans mon fond. J'aurais bien aimé faire une toute blanche pour Edwige, mais le problème, c'est que dans mon fond, ça se verra pas. Là, il y a un peu de gris, donc ça ressortira un petit peu plus. Mais je la trouve trop choupinette. Voilà. C'est trop mignon et c'est tout doux. C'est que de la laine que m'a donné Erika. Et ouais, Erika, je me sers de ce que tu m'as donné. Tu verras demain, je dois faire de la couture cet après-midi. Enfin, tantôt, maintenant. Voilà, après le vlog. Comme ça, si jamais le facteur m'amène quelque chose, ben, je suis en bas. Et alors, chez Action, je me suis repris deux to-do list. J'ai pris un modèle de chaque. Il n'y en a pas tout le temps chez nous, c'est chiant. Et moi, je suis une grande consommatrice de to-do list et j'en ai plus. Enfin, j'en suis à ma dernière. Donc voilà, vous en avez une ici avec une abeille et une ici avec juste des checklists et les toosies. Voilà, j'ai des basiques, hein, puisque c'est toujours la même chose à l'intérieur. Mais moi, je suis accro aux to-do list. Chérie me dit, bah, prends-en qu'une. Bah non, j'ai déjà du mal à en trouver. Il m'en reste plus qu'une. Enfin, il ne me reste plus que celle que j'ai d'entamée. Elle s'est pas montée dans le divan, alors rien ne fait exprès pour l'emmerder. J'ai trouvé ça que je voulais faire hier et puis que j'ai pas eu le temps. Des cupcakes, unicorn cupcakes. Voilà, on va voir ce que c'est. Alors ici, il vous suffit juste d'ajouter du beurre, des œufs et de l'eau. Il y a tout dedans, les moules et tout. Donc voilà, on va ajouter ce ça. Après, bon, la couleur, c'est faculté. Enfin, c'est option, c'est gadget, on va dire. Je trouve pas le mot que je voulais dire. Mais voilà, j'avais envie. Je les ai trouvés mignons, donc j'avais envie. Et j'ai trouvé du magnésium. Donc, je suis bien contente parce que quand je prends plus de magnésium, j'attrape des crampes directes. Il y a 90 tablettes à l'intérieur, un par jour. Est-ce qu'ils disent la quantité de magnésium à l'intérieur? Pour ceux que ça peut intéresser, attendez. Est-ce que c'est marqué à l'intérieur? Non, ça n'a pas l'air. Attendez. Là. Donc, il y a 187,5 mg de magnésium à l'intérieur. Ils sont bons jusqu'à fin 2024. Donc, j'ai pris deux boîtes. Ça me fait 3 mois de magnésium. Mais je suis bien contente de les avoir trouvés vu que j'en avais plus. Et que les magnésiums chez Creutzfeldt sont assez gros, donc j'ai beaucoup de mal à les avaler. Là, ils sont relativement petits. Voilà. Donc, c'est plus facile à avaler pour moi. Et je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Elle est en train de tourner en rond. Bon, ben, j'ai pas eu le temps. Et oui, il faudra encore que je nettoie. Hein. Je dois nettoyer tous les jours avec Miss Riley. Et... Alors, Ryan qui mue et Miss Riley qui chie partout. En plus, elle pue la mort. Voilà. Donc là, j'ai nettoyé un coup à la javel pour bien désinfecter et désodoriser. Parce que j'aime pas utiliser à la javel, ça me donne mal la tête. Mais je pense que je vais mettre un petit peu de monsieur propre dedans pour atténuer l'odeur de la javel. En espérant pas me faire de tâches. Parce que chaque fois que j'utilise de l'eau de javel, vous pouvez être sûr que je flingue mes fringues. Je flingue mes fringues. Ouais. Là, elle est en train de pleurer parce qu'elle veut choper un bout de papier à déchiqueter. Le pire, c'est qu'elle est toute contente quand on la félicite quand elle va faire pipi ou caca dehors.
te dire bonjour. Elle est toute contente. Et puis, arrête pas lécher. Pas lécher. Pas lécher. Pas lécher. Et puis, elle fait quand même à l'intérieur. Bon, après, elle a que 2 mois et demi, hein, donc c'est un peu normal. Mais c'était une pot de colle. J'ai trouvé le truc pour tôt le matin. Quand je finis tôt le matin, ça marche pas tout le temps. Hein. Mais quand je finis tôt le matin, alors je lui mets défiler un de mes vlogs avec le son. Et je me casse en haut discretos. Arrête de lécher mon cul, mais oh! Elle a une manie pour lécher les vêtements, c'est un truc. Psst, t'arrêtes. T'as fini? Non, pas lécher. Vive les chiots, ça lèche, ça mord. Oh, elle me grogne dessus. Elle dit bonjour. Oh, bonjour les gens. Bonjour les gens. Un pro-pro, il y a vraiment un pro-pro. Pourquoi tu joues pas avec Riley? Comme ça, elle me fout la paix tant que tu joues avec elle. Et puis ça la fatigue. Et après, elle va au dodo. Alors, je vais coudre pour la première fois depuis que je l'ai. Je suis pas sûre que j'arrive à coudre tranquille. Hein. Elle va venir choper la pédale. Peut-être attendre qu'elle s'endorme un peu sur mes genoux. C'est un vrai bébé. Il faut l'endormir dans les bras. Et puis après, on est tranquille. Bon, sur ce, bah écoutez, je pense qu'on peut switcher 2 jours déjà. Ça va encore être une semaine très calme. Pourquoi t'aboies? J'ai pas le droit de parler. Là, tu cherches Ryan, mais il est en devant, Ryan. Faut que j'aille ramasser ton caca qui pue, sale fille, cochonne. Oh, je l'ai vexé. Oui, je t'ai vexé, j'ai vu ça. Bon, allez, sur ce, on suit 2 jours. Alors, il est 8h30, il est tôt et je suis réveillée depuis 4h. Merci Riley qui a envie de faire pipi caca. Voilà. Elle redort bien profondément hein, depuis, mais moi j'ai fait mon ménage, mon lave-vaisselle, j'ai rangé un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un montage. Voilà, depuis 4h je suis en route et là je suis dépouillée. Évidemment. Donc hier j'ai fait de la couture, j'ai utilisé les tissus de Erika. Je me suis fait un sac cabas avec un tissu licorne qu'elle m'a amené. Voilà, bon, c'est un tout simple, hein. On fait pas plus simple. Alors, évidemment, vous pouvez pas mettre une tonne de course à l'intérieur, sinon ça va se détendre, hein, vu que c'est une matière un peu sweatshirt comme ça. Mais voilà, il est très beau. C'est des licornes avec des ailes et des petits arcs-en-ciel comme ça. C'est très joli, n'est-ce pas? Et avec le polaire que j'ai fait les joujoux pour la petite et tout ça, et le tissu qui me restait de Mondial Tissu, donc je vous remets le lien du tissu fourrure en barre d'infos, je me suis refait une capuche écharpe. Voilà, tout simplement, il y a déjà des poils partout. Donc voilà le tissu à l'intérieur, et à l'extérieur, j'ai remis le noir pailleté là, que j'adore. Alors, il y a encore un souci avec cette capuche. Mais non, elle est trop large. Je ne comprends pas. Elle est trop large derrière, en fait. Après, je l'ai un peu fignolée par rapport au tuto de Jupy. J'ai un peu amélioré les finitions. Mais voilà. C'est beau avec l'intérieur comme ça. C'est un peu plus coloré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait tout le tour. J'ai refait une couture tout autour à 1 cm du bord pour bien pour que ça reste bien en place. Et j'ai cousu les deux ici le long de la couture de la capuche ensemble. Mais vous voyez, derrière, ça fait un peu trop large. Donc, je le replie un coup, c'est pas très grave. Et vous pouvez le mettre bien sûr dans les deux sens ou changer. Voilà, dans les deux sens, c'est très beau et c'est très chaud. Elle est un peu moins chaude que l'autre puisque c'est un peu moins épais, mais je suis contente. Voilà. Donc j'ai fait ça et j'ai envie de la garder sur moi tellement j'ai froid. Hein? Bipost. Le facteur se présentera chez vous. Oui, je sais, c'est Beauty B. Ouais, c'est bien ça.
Ouais, je reçois mes palettes Beauty Bay aujourd'hui, sauf que ben, il y a DJ qui vient, donc je pourrais pas filmer. Mais demain, du coup, j'ai du boulot. Mais par contre, les autres commandes, j'aimerais bien recevoir celle-là. J'ai mes partenariats qui n'arrivent pas non plus. Vogalure, ah si, ils sont tombés sur le sol. Ça me fait trop rire la traduction. Sont tombés au sol. Ils savent pas poser mon colis délicatement. Non, ils le font tomber sur le sol. Ça me fait trop rire. Et les bijoux, ben je ne sais pas. C'est où? Attendez, je ne trouve plus mon mail. Là. Le 5 janvier, elle m'a dit qu'elle me repréparait le colis puisqu'il y avait eu un petit souci avec un bijou que j'avais choisi. Donc ça va faire une semaine et j'ai toujours rien reçu. Donc je ne sais pas le délai de livraison, rien. Mais on verra bien quand je l'aurai reçu. Ah, j'aime trop. Oh, au moins j'ai bien chaud. Voilà. Donc là, je vais aller laver mes éponges. Et je crois que je vais comater devant mon PC en attendant DJ. Je pense que je vais voir avec elle si elle est d'accord. Parce que je lui demande toujours avant de vlogger avec elle. Je vais peut-être le mettre en façon écharpe. Voir si elle veut bien vloguer un petit coup. Pour vous faire un petit coucou. Et voilà. Sinon, ben, comme d'hab, il se passe pas grand-chose de passionnant. Hein. Ah, j'ai un nouveau partenariat Mondial Tissu aussi. Donc hier j'ai validé la commande. La vidéo sortira le 6. Et voilà, donc n'hésitez pas à utiliser mon nom d'affiliation. Hein. Si jamais ce que je vous présente vous plaît, donc je vous mets déjà ce tissu-là en barre d'infos. Et les autres, ben, vous verrez quand je ferai la vidéo. Voilà. Il me reste deux make-up de film à tourner. Je pense que je les ferai ce week-end pour être bien tranquille. Parce que comme ça, je peux laisser Riley en bas avec Chéri. Je vais pas dire un des gosses, parce que les gosses, ils sont fermés dans leur chambre H24. Mais avec Chéri, comme ça, je l'ai pas dans les pieds et on l'entend pas jouer. C'est pénible. Mais là, demain, il faut que je filme la Dark Fantasy de Beauty Bay, puisque vous, logiquement, vous l'avez déjà eu dans la semaine. Et le swatch et le make-up des deux palettes Eyo Coralie. Et comme je veux faire un make-up par palette, il faudra que j'enchaîne les deux après-demain, sinon je serai à la bourre. Et le crash test Focalure, j'espère l'avoir vendredi grand max pour pouvoir le mettre samedi. Sinon, ce sera que la semaine d'après. Mais je sais pas quoi vous mettre à la place. Voilà. J'ai deux hauls à tourner, mais j'ai pas encore tout reçu. J'ai un haul beauté et un haul Shein. J'ai craqué mon slip chez Shein encore. Je suis à 175 € en tout, je crois. Sur trois commandes. J'ai acheté le dernier coffret là qu'ils ont sorti pour le teint. Comme ça, on pourra crash tester ça pendant mon crash test nouveauté le 30. Ce que je vous ai prévu le 30. Et voilà. Faut que je réfléchisse au Disney Challenge aussi du mois parce que c'est Blanche-Neige et j'ai l'inspiration d'une huître. J'ai pas du tout espéré hein, parce que le dessin animé. Déjà, c'est un dessin animé que je n'aime pas. Voilà. Mais je pense que je vais partir sur Hatchoum. On ne sait pas encore. On verra bien. Là, il y a Shadow qui est, Silver qui est réveillé, donc il est en train de démonter la petite maison. Il me l'a bouffé de partout, quoi. C'est le seul qui fait ça, qui démonte la petite maison en bois. Enfin, en bois. Je sais même pas si c'est vraiment du bois, ce quoi, c'est plus du. La gnognotte. J'ai vu un petit peu Silver et Shadow et Sky ce matin. Je les ai pas vus depuis un long moment. Ils hibernent total. Ils font que dormir, ils ont doublé de volume tellement ils font manger et dormir. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Donc je les vois pas du tout. Je pense que comme c'est des animaux qui viennent particulièrement, enfin principalement d'Australie, je pense qu'ils ont trop froid.
Pourtant, ils sont à côté du chauffage, mais je pense que c'est pas assez pour eux. Et qu'ils ont tendance un peu à hiberner, un peu comme les chichous, quoi. Les chichous, si je les fais sortir, mais ils restent même pas longtemps dehors, en fait, ils rentrent tout seuls dans la cage, se mettent dans leur panier, au chaud. Donc voilà, je ne vois plus mes animaux. Je suis tristesse. Par contre, Riley, je la vois bien, parce qu'elle est collée à moi, H24. La torche, à moi, assise à mon bureau, elle est couchée dans son panier, mais si je monte, c'est un carnage. Et comme j'ai nettoyé, il faut que je surveille parce que elle va me faire des pipis caca partout. Zam qui me dit au matin, quand j'étais réveillée à 7h15, il me dit, t'as déjà nettoyé? Ben, j'ai dit oui, je suis réveillée depuis 4h. Il me dit oui, mais t'es une grande malade. Oh, il a eu des points de. Attendez, je vais vous donner ça. Il a eu des points de ses examens. Science, 25 sur 30. Langue moderne, 22 sur 30. Technique éducative, 25 sur 30. Travaux de maison, 23 sur 30. Art culinaire, 24 sur 30. Français, 18 sur 30. Ça, il faut qu'il monte un peu, mais au moins, il n'est pas en échec. Et maths, 28 sur 30. Donc, il est content. Et tout le reste, c'est la même prof, en fait. Et c'est une prof qui est absente depuis plusieurs mois. Enfin, la prof était absente. Ils l'ont remplacée. Et la remplaçante est absente aussi depuis 2 mois maintenant. Donc il a carrément pas de points, mais c'est la prof de tous ses cours principaux sociaux. Donc je sais pas ce qu'il prévoit de faire parce qu'il peut pas manquer ces cours-là toute l'année, quoi. Je veux dire, c'est quand même important, c'est leurs cours principaux de leur branche. Je comprends pas tout. Donc qu'il trouve une remplaçante à la remplaçante, qu'il la vire celle-là, quoi. Je comprends pas. Ça fait des mois qu'elle est absente, elle était pas là pour les examens et là elle est toujours pas là. Voilà. Donc demain, normalement, il n'y a pas cours, puisque celle qu'il a tout le mercredi matin. Donc bon, bah, lui, il est content, parce que du coup, ça lui fait une journée à rester au pieu, et moi aussi, j'ai envie de vous dire, enfin, moi, ça change pas grand-chose, mais c'est une journée où je ne dois pas me tracasser du réveil, quoi. Donc si Riley veut bien dormir jusqu'à 7h, ça me branche, parce que je suis quitte de me réveiller à 6h30. Mais il faut pas rêver. Voilà, bon, écoutez, soit je vous reprends quand DJ elle est là, si elle veut bien vlogger un petit peu avec moi, sinon ce sera demain, puisque là je vais comater le reste de la journée, hein, je suis épuisé là. J'ai dû avoir mon 10e café. Oh, elle a pété encore. Putain, elle pue du cul. C'est une infection cette petite là. Bah. Je vais lui faire bouffer une savonnette, ça sentira mieux. Wow. Elle pue du cul, je vous jure, c'est affreux. J'attends qu'elle se réveille de son dodo pour la mettre dehors, pour être sûre qu'elle fasse pipi. Elle dort bien, hein. Vraiment très bien. J'ai essayé de vous les filmer un petit peu quand ils jouent aussi tantôt, parce que de toute façon, dans l'après-midi et le soir, ils ont une passe où ils jouent tous les deux. Donc j'ai essayé de vous filmer ça. Alors vous verrez, c'est violent. Ça fait beaucoup de bruit, parce qu'elle aboie et elle grogne. Lui, il grogne et il chippe. Enfin, c'est très bruyant. Et c'est très violent, c'est des sessions de catch. Mais ils se font pas mal. Hein. Même si elle est le queen, je vous le dis tout de suite, elle a pas mal. Hein. C'est une comédienne. Elle fait comme Lilou. Lilou, c'est ce qu'elle faisait aussi. Elle queenait. Des fois, même quand le chien était au bout de la maison, elle pleurait comme s'il lui avait fait mal, alors que c'était pas le cas, puisqu'il n'était pas à côté d'elle. Ben, elle fait pareil. Mais dans pas longtemps, elle va le dominer, parce que dès qu'elle est soumise, dès qu'il la soumet un peu, elle queen. C'est une queeneuse et une aboyeuse. Bon, allez, sur ce, soit à tout à l'heure, soit à demain. Je vous avais prévenu, hein, c'est violent. Tu joues avec Riley? Oh, tu joues avec Riley, mon propos. Qui sont les joujoux? Ils sont dans la boîte, les joujoux. Si tu veux.
Non, vous n'allez pas jouer dehors, vous allez dégueulasser la maison après. Qui gueularde. Et là, elle bouffe mon fauteuil. Non, mais arrête! Elle a piqué le joujou. Elle a piqué ton joujou. Ryan, elle a piqué le joujou. Elle a piqué le joujou. Elle a piqué ton jouet. Regarde. Regarde. Tu le donnes à maman, tiens. Voilà, ils ont été comme ça pendant 2 heures.
Il est 9h54. Silver qui fait le cirque parce qu'il veut des gagabettes. Là, les chiens sont en train de manger. Donc, comme vous avez vu hier, je vous ai pas pris en parlant parce que bah, déjà, j'ai pas arrêté de la journée et j'ai eu un mal de crâne toute la journée. Je voulais seulement que ça passe. J'ai eu mal toute la journée, toute la nuit. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant mal de crâne en ce moment. Mais comme on est tous les deux malades, en fait, on a tous les deux un rhume avec chérie. Et on se le refile l'un l'autre. Chaque fois qu'il y en a un qui va mieux, l'autre lui refile. Donc, ça fait 15 jours que c'est comme ça, qu'on se balance nos microbes l'un l'autre. Les gosses sont toujours enfermés dans leur chambre, donc eux sont à l'abri. Et voilà, hier j'avais vraiment mal à la tête, j'avais beaucoup de choses à faire. Je vous ai filmé un petit bout de couture et un petit bout de montage. J'avais filmé les chichous aussi, mais le focus s'est pas fait correctement, donc on les voyait pas, tout simplement. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais peut-être pas les faire sortir parce que je sais pas si Chérie va être motivée à aller. Ah oui, hier Chérie a été aux courses et parce qu'il fallait absolument du pelet parce qu'on n'a plus de pelet, il me reste que ce qui reste dans le poil, donc je tiendrai même pas toute la journée ou vraiment en tirant sur la ficelle. Il est revenu sans pelet. Donc il doit retourner aujourd'hui. Voilà. Je lui ai dit, donc si tu vas au Hubo, moi je veux bien venir avec. Comme ça, je vais chez Eman acheter de la laine. Parce que j'arrête pas de faire des bricolages avec de la laine pour Manon, pour mettre dans le swap. Et j'en ai fait déjà plein. J'ai tout un sac Chine. Vous savez, les sachets zippés qu'on met dans les... Enfin, qu'on reçoit dans les colis. J'en ai tout un. Ça y est, t'as fini de manger ? Grosse dondon. Elle n'a même plus mangé qu'elle fait. Elle s'est bouffée. C'est une vraie vorace. Elle fait que manger. T'en as plein de nez. Et donc voilà, je sais pas s'il va vouloir aller chez Eman ou pas. Là, je viens de tourner le premier make-up avec les palettes Eyo Coralie, donc que vous avez déjà eu, je vous la remets en barre d'infos. Là, je vais me démaquiller, refaire mon teint, aller faire le deuxième, enfin attendre le facteur et aller faire le deuxième parce qu'il m'amène un colis. Hier, j'ai reçu le colis de ma belle-sœur. Hier, Riley m'a réveillée à... Ah oui, ça aussi, j'étais épuisée puisqu'elle m'a réveillée à 4h moins le quart. J'ai essayé de redormir à 9h dans le canapé. Je me suis pseudo-endormie. Elle a roté. Et juste quand je commençais à bien m'endormir, le facteur est venu sonner. Et c'était même pas un colis pour moi. C'était celui de ma belle-sœur. Donc voilà. Et moi, mon colis arrive toujours pas chez eux. Le Mati Beauty. Donc je ne sais pas. Et voilà. Hop là. Et donc là, je vais attendre le facteur, puis j'irai filmer mon deuxième make-up, comme ça je peux faire le montage et tout ça. Aujourd'hui, elle m'a réveillée à 3h moins le quart.
Mais bon, moi, je suis montée me coucher à 21h parce que j'avais trop mal la tête. Et chéri l'a gardé près de lui jusqu'à ce qu'il monte. Donc, il a été lui faire pipi avant de monter. Mais il est certainement monté plus tôt que ce que moi, je monte d'habitude avec elle. Parce que j'attends quand même 11h30 minuit maintenant avant de monter me coucher pour lui faire son dernier pipi. Comme ça, elle dort au moins jusqu'à 4-5 heures. Mais c'est comme un bébé. Hein. J'ai l'impression d'être une maman qui doit donner le biberon et... Bon, je mets mes cheveux et changer les couches pendant la nuit. Hein. Donc voilà, il y a ça. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu hier. Bon, j'ai fait plusieurs trucs, mais je me suis fait des manchettes avec ce tissu-là. Ryan qui veut rentrer maintenant. J'arrive. Attends bien, on va ouvrir à Ryan. Il y en a encore des roses que j'aimerais faire parce que j'ai un peignoir enfant en pilou-pilou. Donc je me suis fait celle-ci. Voilà, donc ça habille tout de suite si vous avez un pull noir classique. Alors il y a des petits bouts qui s'enlèvent encore, mais à la longue ça s'enlèvera plus. Il est vraiment chiant ce tissu, mais il est tellement beau. Je me suis fait ce en fourrure comme ça. Donc là le tissu n'est pas élastique, donc il faut forcer un petit peu plus pour la mettre. Mais voilà ce que ça donne. Ça, vous mettez un petit pull noir tout basique et puis vous mettez les manchettes, ça fait tout de suite une tenue habillée. J'aime beaucoup ce petit principe là. Et je me suis fait un autre sac de course avec ce tissu là que pareil m'a donné Erika et je le trouve trop beau. Et là c'est une matière plus t-shirt, donc ça s'étend pas, donc on peut mettre un peu plus de lourd dedans. C'est pour ça que j'en ai refait un, parce que l'autre j'ai fait un autre, du coup j'en ai refait un comme ça pour mettre le swap de Manon, parce que l'autre on met des trucs dedans, ça fait yo-yo. C'est vraiment en matière t-shirt, donc il faut pas mettre du lourd, quoi. Si par exemple je vais acheter ma laine, je peux mettre ma laine dedans, mais voilà. Ah, ça y est, on recommence à jouer. Et voilà, et samedi, alors hier, ah oui, il faut que j'envoie un message à mon autre belle-sœur pour lui dire qu'on n'est pas là samedi, parce que ça a commencé à 7h au matin, hein, le catch. Parce que du coup, on va à Liège, on doit aller amener ma mère pour chercher une voiture, et chérie a dit, bon, on va en profiter pour aller chez Primark. Donc voilà, donc, vous aurez un autre Primark, pas la semaine prochaine parce que c'est la semaine des films, mais la semaine d'après. C'est principalement pour y aller pour Georges, parce que c'est lui qui veut y aller pour s'acheter des vêtements avec les sous qu'il a eu à Noël. Et voilà, voilà. Voilà ce que j'ai entendu à 7h au matin. Hein. Quand même. Hein. Quand même. Hein. Elle lui attaque les pattes, la Charlotte. Donc moi j'aime démaquiller et refaire mon teint en attendant le facteur, comme ça je vais tourner le deuxième make-up. Et après je pense que principalement ça va être le montage et le glandage parce que je suis épuisée. Encore une fois. Là j'ai redormi un petit peu jusqu'à 6h30, je me suis recouchée de 4h30 à 6h30 dans le canapé, mais j'ai mal dormi. En plus j'ai fait un cauchemar, je sais plus ce que j'ai rêvé. J'ai fait un rêve chelou, ça m'arrive très souvent, mais je sais plus de quoi donc que j'ai rêvé. Je vais attendre qu'il se calme aussi. Bah, comme ça, après, elle dormira. Je pourrais peut-être aller filmer le deuxième make-up tranquille parce que le premier, c'était pas le cas. Elle a pleuré. Elle a voulu que j'apprenne avec en haut. Après, ça, elle a été relativement calme. Mais voilà. Donc, je vais enlever tout ça et recommencer. J'aime pas trop faire ça parce qu'en principe, quand je me maquille, j'aime rester maquillée la journée, même si je suis pas de chez moi. Hein. J'aime rester maquillée la journée quand même. Hein, il monte. C'est là, on a marre. Bon, bah, sauf quand c'est des make-up artistiques, mais ouais, du coup, je n'ai pas filmé samedi. Dimanche, il va falloir que je filme le haul parce que Georges va vouloir prendre ses vêtements. Donc, je ne peux pas lui dire, bah, attends la semaine prochaine que j'ai fini. Donc, le haul Primark, quoi. Donc, je pense que ce soir, je vais peut-être essayer de tourner un make-up de film. J'ai encore été chercher un truc qu'elle pourrait pas, je parlais qu'on pouvait. Non, tu peux pas. Donne-moi ça. Et je vais peut-être. Il faut que je nettoie aussi, il faut que je fasse le lave-vaisselle parce que j'ai demandé hier à Georges, il ne l'a pas fait. J'ai demandé ce matin à Enzo avant qu'il parte, il ne l'a pas fait. Donc je vais peut-être attendre qu'il rentre. Et puis après, il part chez sa copine. Tiens. Allez, hop, va chercher ta chaussette. Donc voilà pour mon petit programme. Sinon, ouais, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Hier, il ne s'est déjà rien passé d'extraordinaire. Hein. Vous avez vu, j'ai fait beaucoup de couture parce que ça me détend beaucoup. Et des bricolages. Et j'avais des choses à faire dans la maison et tout ça. Hier, j'ai pas su nettoyer tellement j'avais mal au crâne.
Donc aujourd'hui, il faut absolument que je le fasse. Oh, j'allais m'acheter de nouveaux monsieur propre à la fleur de cerisier. Ah, ça ne s'entend pas. Donc j'ai entamé celui-là, je m'en fous, que l'autre n'est pas fini. Et voilà. Bon, allez, sur ce, ben, je pense qu'on peut dire... Aïe, elle m'a griffé. On peut switcher deux jours. Je lance sa chaussette. Voilà, j'ai bourré une vieille chaussette toute seule. Et elle s'éclate avec ce truc-là. Mais elle ne sait pas jouer toute seule. Hein. Faut qu'elle vienne, que je lui renvoie. Elle me le rapporte à chaque fois, ici, au pied. Bon, allez, sur ce, je vais essayer de la fatiguer un petit peu pour pouvoir filmer tranquille après. À demain. Alors, il est 11h36. Il est tard. C'est l'heure normalement où je mange et où je vais à la sieste. Riley, tu vas dehors si tu dois faire pipi. Hein. Donc ce matin, j'ai tourné le make-up avatar. Je me suis démaquillée. J'ai tourné ce réel. J'ai tourné la première partie du haul Shein. Et là, je viens d'avoir un mail comme quoi j'allais recevoir le colis Focalure. Donc comme c'est pour la vidéo de demain et que demain, je ne peux pas filmer puisque je ne suis pas là. Puisqu'on va à Liège et on va chez Primark avec Chérie. Et voilà, donc comme je peux pas filmer demain, faut que je la tourne aujourd'hui. Donc je vais me redémaquiller. Je vais nettoyer en attendant le colis. Il y a la petite qui est en train de fouiner, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, tout simplement. Riley, je vais la faire pipi. Viens, on va faire pipi. Voilà, elle a fait son petit pipi dehors. Et maintenant, elle joue avec un pissenlit, je crois. Enfin, une tige de pissenlit. Donc j'ai laissé la porte entrouverte pour qu'elle puisse rentrer. Donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, il va falloir que je tourne la vidéo. Donc là je vais nettoyer, demain on va chez Primark. Il me reste plus que Aquaman à tourner pour la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine les films. Ouais. Donc je pense que je le tournerai peut-être dimanche. Ou samedi soir, suivant l'heure que je rentre. Je ne sais pas trop. Il faut que je prenne ma vitamine D. Et là, je viens de recevoir mon mail pour reprendre rendez-vous chez le médecin conseil. Et du coup, chérie, ce matin, il me dit, il n'y a que le 24 où je ne peux pas me mettre en télétravail. Mais j'ai dit, ouais, mais le 24, c'est dans deux semaines, une semaine et demie. Il ne prévoit pas les rendez-vous si tôt, puisque d'habitude, je les ai un mois et demi après, quoi. Quel jour il voulait me mettre? Le 24, bien évidemment. Donc du coup, j'ai dit que ça n'allait pas et du coup, j'ai rendez-vous le 31. Voilà, au moins cette fois-ci j'ai pris le rendez-vous tout de suite et j'ai réussi à les joindre tout de suite. J'ai même pas eu besoin d'appeler deux fois, si ça c'est pas merveilleux. Donc ben voilà pour ma semaine qui se clôture. Je vais voir avec Manon pour qu'on si elle veut se retrouver demain au Primark. On pourrait manger un bout et faire le Primark ensemble. Et voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Là, je vais nettoyer en même temps. Il faut que je monte mon réel puisque j'ai filmé celui-là pour ce soir. Oui, j'aime bien me... Mais après, les réels, ça va super vite et à filmer et à monter. Là, la pépette qui rentre. Il ne faut pas que j'oublie ma vitamine D. D'ailleurs, il faut que j'aille en racheter. J'en ai pas pendant 15 jours. Mais je ne sais pas s'il faut une ordonnance ou pas. Donc, il faut que j'aille voir à la pharmacie. J'ai plus d'acide folique non plus. Elle cherche après le gros. Là, je vais nettoyer. Comme ça, je peux installer le nouveau panier que vous verrez dans le haul Shein. Alors, j'ai tourné la première partie exprès pour ce panier-là. Pour pas devoir attendre pour lui mettre. Mais là, c'est la semaine des films. Donc, je vous récapitule. Morticia Adams, à ma façon. Bumblebee, Catwoman, Matrix, Avatar et Aquaman. Ensuite, le vlog le dimanche. Et la semaine d'après, ça sera principalement des hauls. J'ai abusé, oui, clairement, j'ai abusé avec les soldes. J'avais déjà abusé avec le Black Friday, là j'ai encore abusé avec les soldes. Il n'y a pas eu de solde chez Martine Cosmétique. Voilà, mais apparemment Enzo et sa copine me payeraient la dinner pour mon anniversaire. Peut-être, je ne sais pas encore, sinon je la commanderais, je ne sais pas quand. Je viens de ranger ses jouets, elle a déjà été les rechercher. Oh. Oui, parce qu'il y aura donc le haul Primark. Moi, je vais le tourner dimanche, mais je pourrais pas vous le mettre avant le 23, puisque c'est la semaine des films, donc je ne peux pas couper en plein milieu avec un haul. Ensuite, le 25, c'est le dernier mercredi du mois, donc ça veut dire Disney Challenge. J'ai enfin trouvé l'idée. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais j'ai trouvé l'idée. Ensuite, vous aurez le haul beauté et le haul Shein.
Ouais, j'ai abusé. Non, non, mais franchement, j'ai abusé. De tous les côtés, j'abuse. Hein. En ce moment, mais quand j'ai pas le moral, je dépense. Voilà, ça a toujours été comme ça chez moi. Et là, en plus, avec les soldes, plus la préparation du swap, il me manque plus qu'un produit à recevoir et j'ai fini le swap. Hein. Enfin, un produit du swap et deux, trois bricoles en goodies. Voilà, j'ai hâte. Et donc, du coup, on se les change le 11 pour mon anniversaire quand on se voit, le 11 février. Et on vous a prévu la vidéo pour le 15. Voilà. Comme ça, ça fait un swap de Saint-Valentin avec ma petite pichette. J'ai trop hâte de l'avoir déballé. J'adore ça. Après, nous, une fois qu'on a filmé, on se les met en privé pour qu'on puisse les regarder l'une l'autre. Hein. Donc, voilà. Parce qu'on regarde ensemble, du coup, et on débriefe ensemble. On regarde une des deux vidéos en même temps et après on regarde l'autre en même temps pour dire oui, ce produit-là, je connaissais pas, je suis contente de l'avoir reçu, moi je suis contente que tu aies reçu, enfin que tu sois contente d'avoir vu celui-là, enfin voilà quoi. Ah, j'ai trop de diète. Voilà, bref, bon, sur ce, moi je vais clôturer ce vlog parce que je suis en train de blablater pour ne rien dire comme d'habitude et il faut que je nettoie, il faut que j'avance dans ma journée. Absolument, il faut que je mange, mais le problème c'est qu'une fois que j'ai mangé, je vais. Surtout que j'ai pas d'heure de livraison pour le colis, c'est extrêmement chiant. Parce que je peux pas me dire, tiens, je vais me coucher une heure dans le canapé. Enfin, de toute façon, en réalité, elle me laisse pas dormir l'après-midi. Mais le week-end, c'est chérie qui dort avec dans le canapé. Voilà, comme ça, moi je peux dormir tranquille. Surtout que demain, je pourrais pas faire de sieste. Sauf si on rentre tôt, parce que j'ai dit à ma mère pour 10 heures chez elle, donc ça fait vers 11h, 11h30 sur Liège. J'ai dit midi à Manon. On va passer 2-3 petites heures ensemble, le temps de manger, d'aller faire un tour dans le Primark, donc ça va pas durer non plus des heures et des heures. Le temps de redescendre, il nous faut quand même 2 heures. Ouais, ça fera peut-être tard pour une sieste, hein, finalement. Ou sinon, au pire, je somnolerai dans la voiture sur le chemin de retour. On verra. Bref, donc sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà, j'espère que votre week-end a été bon. On se retrouve toute la semaine prochaine en vidéo hein, avec les make-up de film. Donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.